ton mari fait, tu es dedans. C'est toi qui attises. C'est toi qui lui dis, va faire. Fais, je suis avec toi. Après, tu viens jouer les mielleurs, vraiment, ceci, cela. Tu es pire que le serpent. Pire que le serpent. Tu as pris les 50 numéros de téléphone du groupe machiavélique que vous avez organisé. Ton mari t'a dit, va prendre les numéros de téléphone du groupe. Eux, ils t'envoient les numéros de téléphone, tu as enregistré. Ton mari, tu as enregistré les numéros de téléphone, vous avez envoyé 500 euros pour me nuire. Moi. Nabi Coco, je suis votre enfant. Camarade a décidé de nuire à une tôle fille, à une digne fille bassa que je suis. Qui a travaillé bête et homme pour avoir la vie que j'ai. Je n'ai pas volé. Tout ce monde qui était le jour du lancement de votre marque. Pourquoi c'est ma présence qui a posé un problème? Pourquoi c'est mon absence qui vous a posé un problème? Pourquoi c'est mon absence à ce lancement d'un produit qui vous a posé un problème? Il y avait plein de gens que vous avez publiés sur votre page, il n'y avait personne là-bas. Et pourquoi c'est ma présence qui vous a posé un problème? Parce que vous aviez un plan machiavélique contre moi. Vous vouliez que je colle mon image à vos saloperies. Que je vienne valider vos saloperies. Pour que dorénavant, mes clientes sachent que ce que vous vendez, c'est la même chose que moi. Vous vouliez me tirer une balle dans le pied. C'était ça votre plan. J'ai vu ça venir de loin. J'ai refusé de venir à votre lancement. Deux jours après, le live de camarade me traitait d'ingrate. Je suis plus intelligente que vous. J'ai été à l'école. Mes parents ont capitalisé sur moi mes études. Vous n'êtes pas plus intelligent que moi. Vous êtes un couple machiavélique, méchant et mauvais. Vous tirez sur tout. Vous êtes avec les gens que quand ils vous apportent quelque chose, quand vous pouvez tirer quelque chose, quand vous n'avez plus rien à tirer chez quelqu'un, vous abattissez, vous faites tout pour abattre la personne. Et vous faites passer cette personne de méchante, de mauvaise. C'est votre stratégie. Camarade, tu es un pervers narcissique. Quand quelque chose échappe à son contrôle, il est piqué dans son amour propre et il fait tout pour abattre la personne. Ou pour dénigrer la personne, ou pour abattre la personne. C'est ce que est camarade. C'est ce qu'il est en train de faire avec moi. C'est ce qu'il est en train de faire avec Compressor. C'est ce qu'il est en train de faire avec Samé. Tu as dit que même mystiquement, tu vas m'avoir. Tu ne peux pas. Ndabi Coco, je vous appelle ici. Je suis votre enfant. Je suis une digne fille bassa qui travaille dur, qui a travaillé dur pour être là où elle est aujourd'hui. Ce n'est pas un petit morveux, feignant, bandit, voleur qui va venir mettre à mal mon travail. Tu m'as envoyé ton RIB pour que je rentre dans les PTT. J'ai refusé. Pourquoi veux-tu que je rentre dans les PTT, dans un organisme qui n'est pas déclaré? Je t'ai demandé la déclaration de ton PTT. Tu as déclaré ça où? Ton association là est déclarée où? Tu demandes 255 euros à chaque membre des PTT. Tu penses que moi je vais prendre 250 euros, je vais te donner? Où est-ce que tu as déclaré ton association? Je t'ai demandé de me donner les statuts de ton association. Si tu m'avais donné les statuts de ton association, je me serais, par sympathie, adhéré à ton truc. Tu vis en Allemagne. Vous venez toujours ici en France faire des choses. Pourquoi vous ne faites pas des choses en Allemagne? Mon petit frère, c'est lui qui me suit, le dernier né, est un ami intime à Amout. Et il va être là-bas à l'hôtel, une tonne hôtel, pour le baptême des enfants à Amout. Je ne mélange pas. Les relations de mon frère sont les relations de mon frère. Mes relations sont mes relations. Je t'ai respecté. Je vous ai respecté. Je vous ai aimé avec un seul cœur. Vous ne m'aimiez pas. Vous m'exploitiez. J'ai accepté d'être exploité en connaissance de cause parce que je suis une professionnelle et je savais, j'avais besoin de certaines choses. J'avais besoin de la communication que ta femme n'a pas pu faire. Parce qu'elle ne sait pas faire. Parce qu'elle ne peut pas faire. Et vous me parlez de visibilité. De quelle visibilité? C'est vous qui avez profité de moi. Moi, je n'ai rien profité de vous. Parce que votre image est négative. Vous avez une... C'est-à-dire que vous avez une mauvaise énergie. Vous avez une mauvaise énergie. Il faut que quelqu'un vous le dise une bonne fois pour toutes. Faites un état d'examen de conscience. Donc, il va falloir vous calmer. Camarade, il va falloir te calmer. Parce que moi, si tu ne te calmes pas, on va se le faire dur. Moi, je peux te dire. Moi, je ne vais jamais te laisser mettre à mal mon travail. L'héritage de mes enfants. L'héritage de mes enfants, tu ne peux pas. Tu comprends? Si tu as l'habitude d'avoir affaire à une bénie, oui, parce qu'elle n'a pas de choix. D'accord? Moi, Gonanga Amélie, je ne suis pas une bénie, oui, tu me connais. Tu connais ma personnalité. Je choisis ma vie.
Je choisis ce que je veux faire. Ce n'est pas toi qui vas venir mettre à mal mon activité. Tu n'es pas encore né. On va se le faire dur. C'est moi qui te le dis. La dernière info, c'est que tu dis que moi, compresseur, je suis la tête. Tu as dit que je suis la tête pensante, je suis le cerveau. Que je veux monter compresseur contre toi. Non, que je suis le cerveau. Qu'on est quatre. Moi, compresseur, abaisse sa main et amère camère et qu'on veut te nuire. Tu as quelle image? Non, mais est-ce que tu te regardes en fait? Qui t'a trompé que tu avais une image positive en fait? Qui te l'a dit? Marie la régie peut avoir une petite image positive. Mais à côté de ta personne, elle est aussi noire que toi. Tu n'as pas une image positive. Tu es nuisible. Tu es nuisible. Je ne suis pas en train de te cacher. Je te dis ce que tout le monde pense. Tu es nuisible. Tu n'as absolument aucune positivité en toi. Personne ne peut te faire confiance. Même pas dans le Dabikoko. Je te l'apprends. Même pas dans le Dabikoko. Donc calme-toi. C'est trop laid ce que tu fais. C'est trop laid. C'est pas beau à voir. Tu n'as aucune image. Aucune. Tu ne passes nulle part. J'en ai terminé. Je ne reviendrai plus dessus. Je suis une professionnelle. J'ai 25 ans d'expérience dans mon domaine professionnel. Ce n'est pas pour rien que des médecins, des pharmaciens me font confiance. Tu as le droit de créer même n'importe quel glutathion liposomal. Ça veut dire que tu peux même créer n'importe quel produit, je t'encourage même. Je suis pour l'entrepreneuriat. Je suis pour ça. Et si je suis l'exemple pour toi et ta femme, j'en suis ravie. Parce que je vous ai apporté quelque chose. Au moins, je vous ai laissé des empreintes. Les empreintes de passage de la glutabose dans votre vie. Vous penserez à moi toute votre vie. Parce que grâce à moi, vous avez su qu'on peut entreprendre quelque chose. Vous avez su qu'on peut se lever en créant des choses. Je suis contente pour vous. Faites un bon usage. Mais toi, camarade, tu veux que je te dise? Fiche le camp. Parce que tu n'es qu'un pervers narcissique. Et ton image n'est pas vendeuse. Ton image n'est pas vendeuse. Tu... Non, il y a des choses que je ne peux pas dire par respect pour mon audience. En tout cas, je te souhaite bon vent. Mais je t'ai à l'œil. Tu tentes, je te fais ça dur. Oui, oui. Tu tentes, on se fait ça dur. Juridiquement, je ne reviendrai plus sur ce dossier. Mais je t'observe. Le moindre chose qui me concerne mon activité d'une manière claire, parce que c'est ça que tu cherches, parce que toi tu n'as rien à perdre, n'est-ce pas? Les quelques produits que tu as à gauche, à droite, que vous avez du mal à écouler, tu ne perds rien. Tu as peut-être mis un 5 000 euros, c'est rien. Moi j'ai des responsabilités au niveau de la banque, des responsabilités au niveau de mes salariés, j'ai du personnel au Cameroun, ici en France, j'ai des engagements au niveau de la banque, j'ai mes responsabilités, j'ai un bahut à faire tourner, donc je peux te dire que je ne te laisserai pas en faire. C'est clair? Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde.